Ce qui freine et bloque le ministère du Saint-Esprit dans nos vies, c'est notre désobéissance. Il y a deux armes par lesquelles Satan tient les gens. Esclaves. La première arme, c'est l'ignorance. La deuxième, c'est la désobéissance. L'ignorance, quand on ne connaît pas, Satan a un avantage. Quand tu sais ce qu'il faut faire et tu ne le fais pas, tu es en train de désobéir. Et dès lors que tu désobéis, ton autel personnel, ta prière n'a aucun impact. Parce qu'en fait, tu n'es pas un sacrifice. Quand Dieu dit d'obéir, on obéit. Voilà, c'est ça, être un sacrifice vivant. Maintenant, quand tu vas prier, dès lors que tu as obéi, ta prière aura du poids. Parce que tu es le sacrifice. Le Saint-Esprit va pouvoir t'embraser. Et là, ton autel personnel sera un autel puissant. Et quand on va tous combiner avec nos autels puissants, il y a une puissance corporative qui va se dégager.